Bonjour. Alors, on est dans les loges du théâtre, à quelques heures du spectacle, d'une représentation de 40 degrés sous zéro, qui est un spectacle qui demande une grande préparation, à la fois des comédiens, mais de toute la technique. Et moi, au lieu de me préparer, je parpote avec vous. Le premier, celui d'Alex, n'est pas le jet. La première fois que je mets le couteau avant votre entrée. Ah, mince. Ouais, parce que je crois qu'il tient sa coiffe, non ? C'est une mise en condition un peu toute la journée, parce que comme les spectacles sont très physiques, on en ressort vraiment lessivé, on dort pas forcément très bien, donc la journée il faut juste essayer d'accueillir la représentation du soir avec le plus de calme possible. Aujourd'hui on est arrivé à 16h parce qu'on avait quelques raccords, mais on arrive toujours avant. Hein. Et je vais au yoga. C'est un moment où on met un peu le cerveau de côté, où on effectue des gestes qu'on fait de manière presque automatique. Enfin, il y a un endroit de lâcher prise, mais parfois on a besoin de se déconcentrer en fait pour jouer aussi, parce qu'on est trop sérieux, on est trop mental ou dans la tête, on a besoin d'être plus de déconner, de faire des blagues, de rien faire. Voilà, faut être à l'écoute aussi de ce dont on a besoin pour être disponible et puis être avec les autres. Voilà, ça va vite quand même. Mais après, je me remarque pendant le spectacle, comme moi j'arrive dans la deuxième partie. Enfin, je suis dans la première partie, je fais un général et tout vite fait, mais donc le maquillage, il part un peu, mais je me prépare un petit peu déjà quand même. Mais franchement, en un quart d'heure, c'est fun. Mais ouais, ça doit ressembler à ça. Mais bon, là, il y avait des fossiles, par exemple, j'ai arrêté parce que je les perdais, tout ça, donc il y a des choses qui ont été un peu. Et on peut les échanger. C'est très particulier de jouer avec une carapace comme ça sur le visage, en plus ça prend tout le crâne, enfin, il y a quelque chose de vraiment enfermant, il faut trouver une légèreté là-dedans pour pas s'étouffer, pour trouver du plaisir aussi.